Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Farming 19. Donc c'est la première vidéo que je fais sur ce jeu. Donc aujourd'hui on va faire une petite série qui va s'appeler Partir de Zéro. D'accord, donc là on est sur un... Là je suis arrivé sur le jeu, j'ai rien acheté, etc. On a 500 000 en banque, mais en compte en banque, mais on peut emprunter. Donc voilà, j'espère que le son de ma voix est pas trop fort. Désolé pour les bruits extérieurs déjà d'une. Bon, voilà, et donc là ben on va acheter déjà on va commencer par acheter nos terrains. Donc moi je vais acheter ces deux terrains, le vin et le machin. Alors c'est pas des chambres, on n'achète plus des chambres, c'est des terrains. Donc je vais sur terrain, bim, je vais acheter celui-là. Alors vous voyez pas, voilà, vous voyez 180 000, j'achète, oui, et bim. Et 174 000, on achète aussi. Bon, il nous reste pas beaucoup, hein. Donc voilà, il nous reste vraiment pas beaucoup d'argent. Alors je vais voir ce qu'il y a sur les champs pour voir ce qu'on puisse faire en plus. Donc ici c'est quoi? Paf, paf, c'est la betterave sucrière. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut louer ici. Ah bah, c'est comme si on m'appartient à moi, c'est des patates. Donc, c'est le même champ. Donc, on va aller à la banque. Donc, alors, comme je suis en partie difficile, vous voyez que tout est difficile à avoir. Bon, alors, je vais faire à peu près les mêmes choses. Et là, je vais emprunter le maximum. Donc, voilà. Je pense qu'on va pas tout acheter tout de suite. Ben, on va pas acheter pour l'instant. On va essayer d'arriver. Je vais prendre le max. Monsieur le banquier. Donc voilà. Bon, j'espère que cette série vous plaira. Donc voilà. Donc on a 600 000. On va commencer par placer la petite maison. La petite maison. Bim. Non, je crois que c'est là. Non, c'est là. La maison, elle est ici. Alors... Normalement vous avez deux maisons, mais c'est pas, en fait cette maison vous l'aurez pas sur la Ravenport, et l'autre maison qui est sur Ravenport vous l'avez pas. Donc la maison elle coûte cher, hein, 150 euros par jour. C'est un petit peu, alors attendez, d'accord, alors je vais tourner, voilà. Et je vais tourner ma caméra. Là aujourd'hui on va placer notre bâtiment. Voilà. Dans cette série on verra. Je ferai la miniature après moi. Où on se met? Là on va se mettre là à peu près. Paf paf. Voilà. Là on est bien droit. On va se mettre à peu près comme ça. Désolé, des petites modifs qui arrivent sur machin. Sur. Alors, je sais pas si c'était comme ça. Alors, voilà. Donc, on a déjà notre maison. On va se prendre un hangar. Alors, je sais qu'on va beaucoup dépenser là en ce moment. Alors, on va prendre déjà un silo. Ça coûte combien? Ouais. Donc, on va prendre celui-là. Ouais. Je vais le tourner bien évidemment. On va faire un petit peu comme l'autre maison, comme l'autre partie nouveau fermier, parce que vous avez déjà tout en tant que nouveau fermier. Voilà. Et ben voilà, on va coller ça par là. Voilà. On a notre bâtiment. On a notre truc. Maintenant, il nous faut un hangar pour les véhicules. Alors, c'est vrai que déjà tout de suite, on va vite investir. Hein. Donc là, c'est un petit épisode, un petit peu tranquille. Excusez-moi, j'ai des trucs à voir là. Hop.
Alors j'en sais rien. Alors je sais pas si vous voyez notif. D'accord. Hop. Voilà. Alors, j'hésite entre prendre celui-là et celui-là. Franchement, je crois que je prends celui-là. Où celui-là? J'ai un peu peur de voir ce qu'il y a. Bon, on va le prendre. Et puis peut-être qu'on changera peut-être pas la suite. Alors, parce que en fait, il est ouvert, donc ça c'est bien. Pouf, pouf. Et c'est pile poil. Voilà. Donc voilà. Désolé pour la petite console. Alors si vous voyez le truc de Windows, c'est normal, j'allume mon portable. J'avais une notif. Donc on a notre silo à grains. Alors je sais pas sans contenance, mais on verra bien. Donc on charge ici. On charge ici le silo. Pouf. J'ai envie de la buse. Ici, ben, on rangera tous nos véhicules. Voilà. Ici, c'est la maison. Là, on peut rentrer dedans. Alors, si j'arrive à passer, voilà. On peut dormir si on veut. Bon, là, on n'est pas fatigué pour l'instant. Et là, alors, ils sont passés, oui. Là, on va utiliser que la location. Mais on va finir deux, trois petits trucs que j'ai pas fait dans ma partie à moi. On va se mettre un petit chien. Est-ce que je peux le mettre? J'ai envie de le mettre là. Non, c'est pas ça. Voilà, on va l'appeler Rex. Voilà, j'ai trouvé un nom. Si vous avez un autre nom pour l'appeler, Touk, voilà. On a droit qu'à un seul chien, hein. On a droit qu'à acheter qu'un seul niche, niche et tout. Alors. Oui, on va s'acheter dans l'hiver un Kärcher à 4000 balles. Alors, lui, je voudrais bien le placer là. Si... Ouais. Voilà, il sera à côté de la maison. Et voilà, donc, on a notre Kärcher ici. Alors, il faut savoir que j'ai précommandé en avance le jeu. Donc, j'ai tout. Alors, le chien, il est où? Ouais, d'accord. Ouais, il veut pas. Ah. Allez, ici, toi. Allez, coincé, je suis coincé. Mais bon, je réglerai le truc un peu plus tard. Ouais. Ouais. Bah, on va le régler maintenant parce qu'on est obligé de le vendre. Désolé des petites notifications. Oui. Bon, perdre l'argent, ça fait rien. Mais on va en gagner d'un côté. Alors, voilà, on va pas le. Voilà, notre chien, Rex. Alors, on peut le caresser. On peut le nourrir. Voilà, bon, il bug un petit peu. Et et là, il me suit. Je vais demander de me suivre. Eh bien, mon toutou. Viens voir papa. Eh bien, Rex. Après, vous l'appelez comme vous voulez, hein, dans la vidéo. Allez. Hop. Vas-y, va me chercher la balle. Et voilà, il va me la rapporter. Donc voilà. Allez, viens. Voilà. Alors, on voit. Ouais, bon, c'est un peu bugué. Hein. Mais il l'a reposé. Ça s'est reposé ici. Là, je peux venir de me suivre.
Bon, il me suit. Alors, dans la maison, c'est un petit peu compliqué. Donc, voilà. Je vais demander de venir vers moi. Bah, il va venir vers moi. Voilà, il est assis. Et là, je vais faire ça. Et il va aller vers sa niche, couvrir tranquille. Donc là, on a des patates et des machins. Alors, ça va être très simple. Donc, ça va être une vidéo courte. On va ramener le matos. On va déjà se louer. Oui. Parce qu'on va acheter. Après, on va acheter un véhicule qui sera mythique pour la ferme. Je sais ce que c'est. Je vais prendre un truc. Lui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, est-ce qu'on prend un jeune dire? Le système il fait, ouais. Il fait déjà 142 chevaux. Le max 174. Je pense pas qu'il aura assez pour ce qu'on va faire. Parce que là on va faire les patates. Donc je vais pas tout montrer non plus dans le jeu. On va se prendre un maximum comme j'avais. Un casse-piment, je crois. Ouais. Et on va le laisser en 225. Je crois que je vais laisser de base. Base, voilà. Parce que voilà ce qu'on va faire, c'est que on va se louer, on va louer totalement les véhicules. Donc, on va se mettre en. Voilà. Les pneus Michelin. Bâche, oui. Et on va louer. Après, on achètera, vous inquiétez pas. Mais c'est des investissements à faire pour l'instant. D'accord. Et, désolé. Un peu enrhumé en ce moment, hein, avec le froid et tout. J'espère bien. On verra bien. Bon, allez. Tac. Il nous faut culture. Je crois que c'est dans ici. Alors c'est un peu compliqué pour moi pour l'instant. Oui, parce qu'on va faire des patates. Je prends celle-ci. Et je vais la louer. Elle demande 150 chevaux. 150 chevaux. Oui. Ouais, je veux bien la louer. Alors on perd un tout petit peu d'argent, mais vous inquiétez pas. Est-ce que je prendrai une masse? On verra pas par la suite. Alors on a dit. Je l'ai perdu. Je spoilais. Comme. Enfin, à peu près 200 chevaux. Attendez, on va voir. Configurer. Lui fait 100 machin, ouais. 175, ça va être un petit peu de light. Le T6, j'en sais rien. Lui, on n'entend pas. Lui. Non. Il sera light aussi. Il sera light de chez light. Le Fendt. Configuré. Il fait 240, 200 chevaux. J'ai pas envie de reprendre. Ah, désolé. Je veux pas reprendre ça. Ben, vous savez quoi? Lui, il ferait combien en chevaux, le T6? Ouais, mais il est light. Il sera bien pour ce que je veux faire. Lui, et on va le prendre. Ah non, c'est pas le bon. Excusez-moi. C'est un peu le démarrage de la série. Pouf. On va prendre comme ça. Les tréboards. Des notions. Non. Bon, on va prendre comme ça. Configurationnez-vous. On va le mettre en étroit. Ouais, on va le mettre en étroit. Et peut-être qu'on investira sur un autre véhicule plus tard. On verra bien.
Ouais, j'ai cru qu'il n'avait pas. Donc ça nous fait quand même pas mal de frais à faire encore. Mais après, je ferai des missions de mon côté parce que je ne vais pas vous les montrer en vidéo. À part si vous voulez que je vous les montre. Mais ça a l'air plus encore meilleur les missions. Alors là, c'est le train. On va ramener ça. Que je vais faire, voilà, on va laisser comme ça. Hop, tac, tac. Désolé. Hop, retour au jeu. Ah, c'est les aléas du direct. Je vais essayer de. Je vais prendre une photo, un screenshot. Voilà, hop. Alors pour activer la console, c'est très simple. Voilà, hop, et après je fais O. Et voilà, ça fera la belle miniature pour commencer. Et voilà. Hop, et je fais J et je redescends sur Terre. Bim. On va attendre que ça charge. Ouais, donc. Je vais la faire démarrer, lui. On va laisser tourner. On va le mettre à... Voilà. Donc, bah, il s'est arrêté. Donc, du coup, nous, on va se laisser là pour cette vidéo. Moi, je ramène les véhicules. Je les ramène à la ferme, d'accord? Et prochainement, on va commencer par, bah, comme vous voyez, à faire des patates. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like ou un dislike. N'hésitez pas à... Je dis à commenter la vidéo, je sais pas si je l'ai dit, et à partager. Et n'hésitez pas, excusez-moi, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis il y a d'autres liens dans la description, n'hésitez pas à fouiller, vous faites le petit plus ou le petit moins. Voilà, si vous voulez l'enlever ou si vous voulez l'ajouter, vous faites plus. Voilà. Donc dans la vidéo, dans la prochaine vidéo, dans l'épisode 2, on va faire les patate, et oui, et ça rapporte parce que moi j'ai fait le même champ parce que c'était à peu près le même champ en patate et ça m'a rapporté pas mal de sous. Peut-être plus tard je vais faire les missions pour avancer un peu, mais on peut faire des missions, on peut mettre des ouvriers dans les missions, mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Voilà, donc moi sur ce, je vais vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis si ça veut bien. Et je vous dis à plus!